Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, nous allons aborder le problème numéro 20 du sujet S, concours Kangourou 2017. Voici l'énoncé. Kangourou 2017, sujet S, problème numéro 20. On considère la suite AN avec A1 est égal à 2017 et AN plus 1 est égal à AN moins 1 sur AN. Combien vaut A indice 2017? Réponse A, moins 2017. Réponse B, moins 1 sur 2016. Réponse C, 2016 sur 2017. Réponse D, 1. Réponse E, 2017. Donc ici, A1 est égal à 2017. AN plus 1 est égal à AN moins 1 sur AN. Ou encore, AN sur AN moins 1 sur AN. 1 moins 1 sur AN. On va calculer les premiers termes de la suite. Donc A1 est égal à 2017. A2 est égal à 1 moins 1 sur 2017. Au même dénominateur. 2017 moins 1 sur 2017. 2016 sur 2017. A3 est égal à 1 moins 1 sur 2016 sur 2017. L'inverse d'un nombre, donc d'une fraction. Donc ça va être, on échange numérateur et dénominateur, 1 moins 2017 sur 2016. Ou encore, 2016 moins 2017 sur 2016. Et moins 1 sur 2016. A4. 1 moins 1 sur moins 1 sur 2016. Donc ça va faire 1. Le moins peut aller hors de la fraction, donc moins par moins plus. 1 sur 1 sur 2016. 1 plus 2016, 2017. Et on retrouve A1. Donc il y a une période ici. On a une 3 périodes, donc une période 3 termes. Et on veut A2017. A2017 divisé par 3. Donc 2017 divisé par 3, donc ça va faire 6, il va rester 2, 21, 7, 7, 2, 1. Donc ici, le reste de la division euclidienne, eh bien, c'est 1, donc c'est le premier terme de la suite, de la période. Donc ici, premier terme de la période, 2017, égal à A 2017. Donc la réponse, c'est bien la réponse E. E. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBM. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.